Salut à tous et bienvenue sur Roblox, sur Dragon Ball Z Rage Rebirth 2 ou 2, c'est pareil. Ce nom est trop long. Bref, et c'est un jeu de combat, on va se battre contre d'autres gens. En choisissant notre perso juste avant, par exemple, on peut avoir Végéto en bonbon, ce qui va être ce qu'on va prendre évidemment, c'est faux. Bref, il y a plein de personnages avec plusieurs variations pour certains. Par exemple, on peut avoir Trunks de l'arc de Black qui se transforme en. Quoi c'était okay, c'est parce que ça va d'art. On peut l'avoir en mode. Super Saiyan Rage, ou Ikari, enfin pareil. On peut l'avoir dans plein de tenues. On peut avoir pareil pour Goku, regardez, bon, pas encore en Ultra Instinct, mais ça ne saurait tarder. On peut l'avoir même en SSJ Blue de la saga Black, qui peut se mettre en Kaioken et tout. On l'a en SSJ 4, enfin on a plein de trucs cool. Et on va commencer par. Est-ce qu'on commencerait pas par un petit. Allez, Vegeta de la. Vegeta Goku de la saga Boo. Comme ça, il a toutes ses transfos. Et comment on se transforme? Je pense que. Est-ce qu'il faut toujours dire. Ouais, il faut toujours dire SSJ dans le chat. Donc là, voilà, je passe SSJ 1. Voilà, ça peut. Très vite. Voilà, bah tout de suite on a pu le voir. Si je veux, je défonce Kaio. Je vais mettre des coups de pied. Je sais pas à quoi ça sert. Et est-ce qu'on baisse le son? Non, on va pas baisser le son, tant pis. Et le Kamehameha, on peut défoncer tout le monde. Oula, je commence à prendre cher. C'est Nail ça. Allez, High Speed Rush. Voilà, j'ai tué Nail. Du coup, en gagnant des niveaux, donc je suis niveau 83, on peut aussi gagner des niveaux en ayant des codes. Hein. Par exemple, si vous avez des codes, je veux bien tous vos codes. Ça permet de débloquer des nouveaux persos et de gagner des niveaux. Donc moi, en étant niveau 83, ça me permet notamment de débloquer du coup les personnages en SSJ Blue et tout. On ne débloque pas de base. Bref, SSJ 2, devenons sérieux un petit peu. Voilà, ça m'a changé mes techniques. Maintenant, j'ai super Kamehameha. Faut faire gaffe à Whis parce qu'il est très violent. Voilà, je lui ai fait 0 dégâts avec mon Kamehameha. Et c'est là où Goku devient extrêmement fort. Parce que il a la TP. Et ça c'est trop bien. D'accord, ouais, il faut faire off 3 fois si on veut baisser de transformation. C'est très chiant. Du coup, faut que je fasse SSJ2 puis SSJ3 en fait. Donc c'est très chiant, faut faire chaque transformation une par une. Bref, le niveau au-dessus, Super Saiyan 3, donc là on a le vrai Kamehameha, maintenant en ulti. Et si on monte la barre de rage à fond, je sais pas si on le verra dans cette vidéo, je pense pas. Ça peut nous faire un ulti extrêmement fort, donc là je pense que ce sera Point du Dragon, qui one-shot, donc plutôt pas mal. Les vrais Kamehameha. J'ai touché personne. C'est Broly là-bas d'ailleurs. Ça m'a tout l'air d'être Broly. Oui, c'est trop fort. Le personnage de Whis est grand prêtre aussi, hein, ce qu'il y en a beaucoup. Est abusé. Hop, la musique du Tej, parce que ça va mal finir. Ça. Voilà, je vous montre vite fait les persos. Je sais plus si je l'ai fait, mais je vous les montre vite def. On va prendre Gogeta. Gogeta, son ulti, ça doit être Stardust Break. Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, le truc où, qu'il a fait contre Janemba. La seule attaque qu'il a réellement faite dans l'anime. Enfin, dans l'OAV. Voilà, maintenant je Gogeta. Donc je peux me TP et faire Fusion Fist. Ok. M'en fous, moi c'est plutôt stylé cette technique normalement. Mais là il était en train de passer en Kaioken x3 quand je l'ai attaqué. Lui qui passe en x3 il prend cher aussi. Je pense. Bon écoute. T'es bloqué, alors je mets fin à ta vie. Voilà. Il fallait mettre fin à sa vie, il était bloqué, il fallait l'aider, parce que sinon il pouvait plus jouer là, il fallait qu'il se suicide. T'as par contre là-bas Trunks. Super Big Bang Kamehameha. Non, ça ne touche jamais. Parce qu'il l'a vu arriver. Ok, là il faut. Ok,
On n'y voit rien, c'est très éblouissant. C'est très très éblouissant. Bon, on va se suicider. Parce que je vois tout ce que vous demandez dans les commentaires. Et vous ne l'avez pas encore demandé, vu que vous êtes intelligent, vous regardez jusqu'à la fin. Chut, on se tait. Vous voulez... Résurrection de F. C'est faux. Vous voulez Goku Black. Enfin, Goku Black, je l'ai pas débloqué. Vous voulez Goku de l'arc Goku Black. Eh bien, je vais vous donner ce que vous voulez. Je vais vous donner Vegeta de l'arc Goku Black. Si je me trompe pas... Voilà, il peut aller SSJ. Oula, ok, c'est bon. Il peut faire SSJ, donc... Mais tout le monde s'en fout. Ce que vous voulez voir... Ah, il est arrivé, c'est un world boss en gros, et ça donne beaucoup d'XP quand on le tue. Enfin, ce que vous voulez voir, c'est ça, le SSJ Blue. Pardon, Rage Boost. Ah oui, là, c'est d'accord, maintenant j'ai plus de dégâts. Il est pas simple. Bon, hit... Tu vas un peu loin, hit. Ok, on va s'occuper de hit. God Big Bang Attack. Oh, oula, 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 oula. Non? Stop. Je vais te faire un God Rush. Ah, j'ai pas de ki, j'ai pas assez de ki. God Rush. Ok, il faut s'envoler. Comment on vole? Fly. Je sais pas comment on vole, je suis pas la touche. Ok, hit est bloqué. C'est le moment de charger de faire un God Final Flash. Oula, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est un Garigan de l'espace? Non, c'est Freezer. D'une pierre de coups. Oh, c'est Golden Freezer en plus. On va faire d'une pierre de coups. On va tuer Golden Freezer hit. Allez, hit est en train de m'esquiver là. Oula, oula, Golden Freezer va me défoncer. Il va sûrement y arriver. God Big Gun. Ok, j'ai tué le mauvais Freezer. Je l'ai même pas tué en plus. Tout va bien. Ah oui, Freezer se bat contre lui-même. Ça, ça n'a aucun sens. Bon, allez. Vous vouliez tous le voir. Goku en SSJ. Merde, j'ai mis SSJ. Hein. Voilà, bien sûr. C'est faux. Goku en SSJ God. C'était pas ça non plus que vous vouliez voir. Eh bah, tant pis. Ce qui est bien avec le SSJ God, c'est qu'il a régène. Donc, ça permet de regagner toute sa vie d'un seul coup. Mais on peut l'utiliser qu'une seule fois. Moi, je peux faire limite même, là. Je brise mes limites. Oh là là, ce canon, là. Je suis niveau 4, il n'y a plus qu'un niveau et j'ai Black Goku. Bon, on va faire off. Voilà, il est temps de récupérer un petit peu de la force. Non, 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 non. Voilà, quand même. Par contre, je sais plus si c'est Kaioken, juste. Ah oui. Ok, et là je suis un Kaioken. Ça change pas grand chose, hein, mais c'est stylé. Regardez, j'ai triple aura. Et maintenant, pourquoi je peux retenter Kaioken? Non. Est-ce que je peux faire Kaio x10? Je sais pas. Dans mobile. Forms. Ah, c'est ici. Non, on peut pas. On peut être full power SSJ blue. Si je fais off et que après je fais full. Là, je suis en SSJ blue parfait. Ce qui en soi est inutile. Et voilà. Et oh, par contre, moi, on prend cher. Limite la forme du manga en fait. Parce que son corps prend des dégâts et tout. Allez. Le Kamehameha, perfect code Kamehameha. Okay, j'ai pas tué le bon, j'ai pas tué le bon. Hit, s'il te plaît. Goku est mort. Okay, mais je pouvais pas me mettre en Kaioken x10 sous cette forme. Chut. On se tait. Je ne veux pas t'entendre. Bon, il est temps de prendre My Boy, donc hit. On peut l'avoir dans l'arc du tournoi, donc en gros, il peut disparaître, enfin laisser juste une espèce de lit pour qu'on frappe son ombre, mais bon, bref. Je n'ai pas donc. On va prendre ce hit, d'abord c'est très simple. Donc là il y a Kaioken Blue. Pousse-toi niveau 32. La Kaioken Blue est fini. Ça va aller très vite. Ah oui, niveau 100 quand même.
Voilà, il est mort. Parce que l'ulti de hit, Bashi Molotov, donc comme dans Xenoverse, son attaque ultime, hein, où il faut plein de coups de poing, alors que tu es bloqué par Tokitobashi, donc tu reçois tout d'un seul coup dès qu'il relance le temps. Enfin, cette attaque coûte tout son ki, mais fait extrêmement mal. Beaucoup. Et c'est pour ça qu'il fait beaucoup trop fort. Qu'est-ce que... Ah, tu es Kamesenin. Je t'attaquerai pas. Contre-toi. Niveau... Toi, t'as un objectif qui m'intéresse. Ah oh, ah oh. Ok, Kamesenin est fort. Je l'ai sous-estimé, mais en fait, c'est Kamesenin du tournoi de... Du tournoi du pouvoir. C'est faux, hein. C'est pas là. Ça peut pas être lui. C'est quoi ce Gohan du futur qui tente des attaques en ninja pendant qu'il se transforme? Dixit le gars qui est en train de buter gratuitement le CJ Blue. Voilà, je suis niveau 85. Tuez-moi désormais. Oui, où êtes-vous? Tuez-moi! Bon. Dans ce cas, dommage, mais le dernier qui m'a frappé recevra l'XP. Peut-être Kamesenin. Je ne sais pas. Chut. Et maintenant, je peux devenir... Zamasu. Mais on veut tous Black Goku. Black Goku Kaioshin. Non, Black Goku normal, allez. Il y a quoi comme transformation? SSJ, SSJ 2. Ah, Rosé. Ah, c'est cool. Donc il a aussi les techniques du manga. Donc par contre, je peux devenir Super Saiyan Black Goku. Et c'est stylé. Et là, SSJ 2. Donc sa vraie transformation du manga. Oh, c'est Beerus. Super Black Kamehameha. Sinon, il va me défoncer. Déjà qu'il me défonce, là. Sinon, je vous conseille, s'il y a des ennemis trop forts pour vous, genre que vous êtes pas très haut niveau, quand même que vous avez un peu joué, hein, mais que vous êtes pas très haut niveau, et qu'il y a des ennemis beaucoup trop forts, prenez Ginyu et échangez de corps. Vous allez gagner le personnage des gens. Moi, c'est comme ça que j'ai déjà joué Black Goku, du coup. En jeu, je savais pas qu'il pouvait se transformer en SSJ, du coup, je viens de l'apprendre. Parce que je crois pas qu'on pouvait voir, bref. Mais du coup, j'avais Black Goku Rosé sans même pouvoir le jouer normalement. Grâce à Ginyu. Et là, regardez. Super Saiyan Rose. Oh là là. Alors là, vous allez prendre cher. Je sais pas ce que c'est son... Peut-être la faux. Bon, déjà. Rose Kamehameha. Itsukushi. Subarashi. Ningen. Ça, c'est juste une attaque, une sword. Allez. On défonce Noob. Ah, je vais défoncer ses vêtements. Oh, Kamesenin, faut pas le sous-estimer, lui. C'est parti. Pour mon attaque ultime. Divine Lasso. Oh, et en plus, il fait même une petite pause. Comme dans l'anime et dans les jeux. Les autres jeux. Je vais pas prendre. Non, c'est Beerus qui... Beerus va se faire tuer par Kamesenin. Beerus... Ah non, c'est l'inverse. Je le dis. C'était un peu bizarre. J'ai failli me faire enculer par un virus. Non, c'est bon, je vais pas me prendre un Hakai, pas encore. Prends-toi, Goku. Viens là. Viens ma voix. Oui. Virus, s'il te plaît. Virus, calme-toi. Tiens. Là, cette attaque est beaucoup trop forte. Bon, là, c'est sur Virus, donc évidemment, il prend pas grand-chose. Ouf. Il m'a mis le petit coup de doigt. Le... Oh, je l'ai eu. C'est moi qui l'ai eu, oui, tu vas faire quoi? Youtubeur? Eh, moi aussi, je veux le truc Youtubeur. Hein. Viens là! Youtubeur, il doit avoir genre 500 abonnés. Bon, je déconne, mais il y a beaucoup de grades Youtubeurs sur ce jeu. Donc, je pense que pour avoir le grade Youtubeur, on n'est pas obligé d'être très très fort. Enfin, très fort, qu'est-ce que je dis? On n'est pas obligé d'avoir beaucoup d'abonnés. Enfin, aucun rapport. C'est parce qu'on n'a pas d'abonnés qu'on n'est pas fort. C'est n'importe quoi. Niveau de puissance d'un seul coup, je sais pas pourquoi. Ok, j'ai des techniques de Kaioshin, donc je peux faire. Ok, ça je peux pas. Le Kaikai, donc la téléportation des Kaioshin. Et je peux faire une attaque où j'envoie des Blobin, donc le métal le plus résistant de l'air 7. Il vient de s'auto-tuer. T'es con, je voulais ton XP. Du coup, là j'ai des techniques de Kaioshin et en plus je peux. Tuer avec ma lame. Fais attention, Whis. Je suis Zamasu. Ah, j'ai régène, mais normal, il est censé être immortel. Et il peut s'enfuir, donc... Fuite, 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 fuite.
Donc là on va charger à fond pour pouvoir utiliser le skill régène. Est-ce que je peux à 400? Non, c'est à 800 je pense. Ok, okay. Zamasu n'est pas encore immortel, mais il peut régène. On va savoir comment. Ah, maintenant son skill c'est immortalité. Attendez, je suis intéressé. Parce que maintenant son skill était remplacé par immortalité. Et ça fait quoi immortalité? Ça me rend invincible? Eh oui, ça me rend invincible. Bien sûr, je m'attendais à quoi? Les kaikai. Subarashi. Oh! Mais. Salut! C'est moi! C'est Zamasu! Ça va? Allez, on va détruire les mortels ensemble. Tu comptes comme un mortel, désolé. Non, mais maintenant tu comptes. Tiens, prends ça. Prends mes blocs de Kachin. Ah, il m'a bloqué seul. Technique suprême des Kaioshin. Le Kaikai. Où va-t-il? Oui, tu ne m'échapperas pas. Je vais détruire tous les dieux. Et les anges. Oh, il va là-haut. Mais, oula. Mudada. Mudada, oui. Je suis déjà ici. Oh. Reviens! Tu ne peux pas m'échapper. Où est-ce qu'il va? Oh! Mais tu ne peux pas m'échapper! Tu es mort! C'est con, hein? Mudada. Zamasu est immortel! Je m'amuse beaucoup trop avec ce Zamasu. Ouais, il est assez fort. Regardez, en plus ça fait même des petits blocs quand on charge en mode pff, trop de puissance. Avant ça faisait pas ça. Bref, c'est pas tout ça. Je tue les Ningen. Non, c'était pas un Ningen ça. Oh, il copie mon épée. Détruisons-le. Tu ne détruiras pas mon ami. Allez, je t'envoie du Kachin. Je suis Zamasu. Oh là là. Allez, Black, défonce-le. On va tuer de la destruction. Oui, aïe. Ça picote. Hein. Attention, Black. Oui, il l'a touché avec notre technique signature. Je l'ai eu, notre technique. Bon, j'écoute trop. Oh, désolé, Black. C'était un bon combo. Eh bien, je suis réellement en train de jouer en coop avec le Black Goku. C'est vraiment trop bien. Si Zoraknos aimait bien Roblox, on pourrait faire des trucs de ouf. On pourrait faire des combos. Ce serait très 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 cool, très complètement chiant pour les autres joueurs, je pense. Par contre, toi tu es un Saiyan et en plus tu es un Ningen, donc tu dégages. Non mais oh, tu n'es pas assez assez beau pour survivre. Tourne dans la beauté de la mort. Qu'est-ce que tu crois faire? Vas-y, je te laisse un petit peu d'avance. Je te laisse ton avance si ça te fait plaisir. Mais sache que j'ai pris mur. Sache que je suis toujours là. As-tu le Zamasum? Oh non, je crois que j'ai tué. Non, j'ai tué mon allié. Il manquait eu l'XP, donc c'est... Ah si, c'est bon. Ah non, non, j'ai eu l'XP de... Bardock. Ok, je vais tuer tous les ennemis parce que du coup, j'ai tué mon allié à cause d'eux. Je suis au 86. Le Zamasu est immortel. Et réellement. Et là, il meurt du cancer. Parce qu'il a tué son pote et du coup, bah, il est triste. Se suicide, même s'il logiquement ne peut pas. Moi je veux prendre pour la fin, avant la fin. Petit perso, est-ce qu'il y aurait pas. On peut prendre un topo. Il n'y a pas encore Jiren hein, non plus. On peut prendre topo, mais. Non. qui va-t-on prendre? Il y a beaucoup de persos, donc je sais pas trop. Est-ce que les fans Broly, on leur ferait plaisir pour une fois? Ah, il y a un code pour Broly jeune. Après, j'aimerais bien aussi prendre Janemba. Il y a plus de fans Broly ou de fans Janemba? Je pense Broly quand même, même si ça me fait mal de l'avouer. Ok, donc c'est quoi les noms de mes transformations? Ouais, de toute façon, on va y jouer longtemps avec Broly. Hein. Alors, SSJ. SSJ Blue. Et là, légendaire. Ok, j'ai une tête très bizarre là. Alors là, c'est... Ok, c'est moins stylé. Trapuchte.
Pourquoi je peux pas charger mon ki? Pourquoi je peux pas me battre? Ah c'est bon, ça buguait. Monster Crush, oh! Eh bien, Goku. Je vais tuer tous les cacahuètes. Ça serait trop stylé. Ah si, eh mais ça, je viens d'avoir une idée. Tous ceux qui veulent jouer à ce jeu, on crée un sur Roblox, on lance une tous ensemble, et on se fait une grosse battle royale. On peut limite se faire des teams même, genre une team Saiyan contre team, je sais pas, une, c'est rien. Les Omega Blaster, ok. Alors il est quand même niveau 218, hein, je tiens à le préciser. je pouvais faire quoi? Je pouvais juste mourir là. Broly ridiculisé par un Goku même pas transformé. Notre Satan, je veux dire sauveur, arrivera-t-il à sauver l'honneur de Broly? Dynamite Kick. Prends... oh, Satan. God Satan. Que crois-tu faire, Ningen? Prends mes grenades. Ok. Tu veux un cadeau? Tiens. Ah, il est en train de faire la Genkidama. Mais tu as explosé grâce à la grenade du God Satan. Après ça, je vous jure, j'arrête. Et là, regardez. Grenade Burst. Oh putain, ça fait trop mal. Satan God. Regardez, il charge son ki, mais avec une aura, mais magnifique. Satan Rush. 4 points de dégâts. Pardon, à tous ceux qui ont perdu leurs oreilles. Grenade Rush. Oh, j'ai tué Goku et ses yeux avec Satan. Satan God. Sans même m'entrer. Attention, grenade. Osez. Est-ce que tu crois God Satan? C'est 18 qui fuit face à Satan, c'est... c'est le Budokai de la saga Boo raconté par Satan en fait. Ah, je suis mort. Grenade! J'ai rien pu faire. Bon. C'était quand même... bien pour Satan. Bref, voilà, c'est tout pour cette fois. On fera peut-être une vidéo, dites-moi si vous voulez aussi qu'on fasse des combats tous ensemble, ça peut être très très cool, qu'on fasse des teams et tout, genre la team Ninja. Qu'on soit la team... Dieu... Bref, allez, c'est tout pour cette fois. Mettez les pouces bleus, je rappelle, objectif 1000 pouces bleus, le Genkidama de pouces bleus pour devenir ultra instinct. C'était un bon claquement de doigts, ça. Et moi, je vous dis à plus, appuyez sur la cloche de ces conneries. J'ai oublié de préciser, donc j'ai dit maintenant. Et à la prochaine, zou. 1000 pouces bleus, ultra instinct. Bref, 1000 pouces bleus, faites-le. Et à plus, il faut que j'arrête de demander des pouces bleus comme ça.